Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, épisode 2 des Hunger Games of Sims, spécial vilain Disney. La dernière fois, on avait commencé les épreuves et malheureusement, la belle maléfique avait perdu à l'épreuve d'escalade. Et aujourd'hui, le restant des 7 vilains encore en lice vont encore s'affronter. On va aller voir ce qu'ils font d'ailleurs, ces jolis vilains. Alors, ils sont tous dans la grande salle et ils s'asticotent les uns les autres. On a encore Jafar, on a Grimild, on a Ursula, on a Docteur Seth Facilier, on a Madame de Trémène, on a Gaston et on a Hadès. Une belle petite brochette, en somme. Regardez-moi ça. C'est des méchants, hein. Donc, ils s'asticotent tous les uns les autres, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, ici. Allez, on va aller les remonter leur petit moral et ils vont s'affronter une nouvelle fois sur une autre compétence. Les voilà pas du tout en forme. Qu'est-ce que j'ai dit, nouvelle compétence? Non, j'ai dit nouvelle épreuve. Non, je sais que j'ai dit nouvelle compétence, me charriez pas. Leurs petits besoins du foyer sont remontés parce qu'on est quand même des gens sympas. Ils seront plus ou moins éreintés ou quoi ou qu'est-ce, hein. C'est la vie qui veut ça. En tout cas, il ne pleut plus. C'est déjà ça. Et puis on a la tombe de Maléfique qui est là. La pauvre. Allez, arrêtez de vous dire des saletés les uns entre les autres, là. Vous avez rendez-vous avec votre tapis de course. Oui, alors il n'y aura pas que des épreuves sportives, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, sachant qu'ils sont tous jeunes adultes, hein, il n'y en a aucun qui est différent des autres, aucun n'est surnaturel. Donc c'est vraiment à pied d'égalité totale. Tu vas juste entraînement ensemble. Bah ouais. Entraînement ensemble, on est là, tous ensemble, ouais. C'est parti pour la deuxième épreuve, le premier qui arrêtera son tapis, qui descendra de son tapis, sera éliminé. C'est parti les amis, ils vont donc... Ah, et l'autre il prend du retard évidemment parce qu'il a voulu rire. Ah, finesse, il a je ne sais combien de secondes de retard, il me gave. En tout cas c'est bon, ils sont partis chacun à s'entraîner. Certains étaient confiants, donc ils s'entraînent un bonbon le torse. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ils courent. Ils se raccrochent tous à la vie, et ça c'est qu'à de dire. Attention, hein, je t'ai vu Ursula. Ursula, je l'ai vu quand même s'arrêter un tout petit peu, mais je pense que ça va. Ah, elle le refait encore. Peut-être qu'elle est... Ah, lui aussi, là, Hadès, il s'est arrêté un petit peu. De ce côté-là, c'est pas mal aussi, on voit leur tête. Bon, pour l'instant, ils sont encore beaucoup. Je peux pas trop zoomer pour qu'on les voit tous en même temps. Qu'on apprécie un peu leur courage au sport. Allez, qui sera le premier vilain à arrêter sa course? C'est Hadès. Gaston, c'est le plus courageux. Pour moi, c'est Hadès. Pour moi, c'est Hadès qui a terminé en premier. Alors, tu veux bien rigoler si tu veux. Mais pour moi, tu vas arrêter en premier. Elle aussi, elle rigole, mais elle voit pas le fond de Nicole. Hein. Je vais regarder le rush pour être sûr que ce soit lui. Mais pour moi, c'est lui. Retournement de situation, finalement. Peut-être, certains d'entre vous l'avaient vu, mais effectivement, j'avais les yeux un peu plus par ici. Mais Hadès et Jafar se sont arrêtés en même temps. Ce sera une finale. Garçon, puisque ben, c'est l'un contre l'autre qu'ils vont s'affronter. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vouloir aller faire... Ouh là là, ils vont m'exaspérer. Allez, vous retournez chez vous, les autres, là. Vous dégagez. On reste avec Gaspard, n'importe quoi. Hadès et Jafar. Hadès, Jafar, vous pouvez vous mettre face à votre tapis. Je vais leur faire un entraînement, repousser la limite. Et on va être parti pour une finale de choix. Non, mais toi t'es chiant, wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben dis donc, 9 secondes pour casser les couilles. J'aurais le temps de compter jusqu'à 9. Je note ça au cas où Jafar arrête avant, parce que si lui il arrête avant les 9 secondes, on verra. Bon maintenant, on attend juste... que le premier des deux en est marre. J'ai l'impression que Hadès est un petit peu moins à l'aise que Jafar. Alors Jafar, on en parle, c'est que j'ai pas trouvé de CC du tout correspondant à sa tenue. Mais je savais qu'on avait le bon bonnet, enfin le bon chapeau pour lui dans le truc de mariage. Donc je lui ai mis ça, j'espère que ça lui correspond quand même plus ou moins. Malheureusement, j'ai pas des CC pour tout. Ils font des petites pointes d'accélération de temps en temps. Puis après, ils se remettent à courir normal.
C'est bien, faudrait mieux se modérer et aller moins vite hein, que de courir trop longtemps, trop vite, mais bon, ça c'est eux qui voient, hein. C'est pas moi. Ça peut être très long. On va accélérer un peu. Après non, parce que s'il faut que je compte, mais lui il a 9 secondes d'avance en fait, Jafar, par rapport à Hadès, donc on va voir, on va voir. Parce que pour être un super vilain, il faut quand même avoir un bon physique, hein. Une bonne aptitude pour courir après les gentils, tout ça, tout ça. Voilà, pour l'instant, ils résistent bien tous les deux. L'entraînement a du bon, il sue, mais c'est pour la bonne cause, il court pour la vie. Et je cours, je me raccroche à la vie. Si j'arrête, je suis fini. Shirley va me tuer. Elle ne sait pas encore comment, mais c'est sûr, c'est que tu vas mourir, celui qui arrête. En tout cas, Jafar a l'air de kiffer, hein, il a pas l'air de trop de galérer. Aucun des deux n'est sportif, ni actif. Peut-être que s'il y avait eu Gaston, il aurait été beaucoup plus pumped up, quoi. J'ai l'impression que Jafar pue. Ouais, il commence à avoir un peu de... Ah bah ça y est, Hadès aussi, bah c'est vrai que Jafar commence en premier, hein. Donc forcément, il va puer avant l'autre. Pour l'instant, ben, ils sont encore là. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'Hadès en a un peu marre. Regardez, il commence à être... Ah non. Il reprend... Oula! J'allais dire, il reprend des poils de la bête, mais il fait pas du tout, quoi. Eh, il court chelou, hein. Attention. Parce qu'il a commencé 9 secondes à l'avance. On va voir si Hadès s'arrête avant les 9 secondes. S'il continue après, c'est Jafar qui meurt. S'il s'arrête pendant ou avant, c'est Hadès qui meurt. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'est arrêté à 7, soit 2 secondes avant. Mon petit Hadès, tu es le maillon faible pour aujourd'hui. Tu n'as pas su. Tu n'as jamais su. Déjà, tu as commencé avec 9 secondes de retard, mais tu t'es arrêté à 7 secondes après ton concurrent. Et ces deux ces petites secondes t'auront valu la perte de la vie. Tu es donc condamné à mourir. Et ça me fait plaisir. Tu es le maillon faible, Hadès. Au revoir. Quel joli coin je t'ai donc créé, mon petit Hadès. Tu pues, mais c'est pas bien grave. Regarde! Un petit feu, deux petits feux allumés. Oh là là, avec des jolis tapis de journaux prêts à s'embraser pour ton plaisir. Et tu es entre quelques petites clôtures que tu ne pourras pas traverser. Quel dommage. Maintenant, on va juste espérer que ça prenne feu. Oui! Ça y est! Ça commence déjà à prendre feu. Ça, c'est bon, ça. Alors, faut pas qu'il y ait de qui que ce soit qui vienne éteindre. Il faut que le feu vienne, bien sûr, jusqu'à lui, sinon ce serait pas très drôle. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, tu peux rien faire, c'est pas un souci. Pourquoi tu ferais quelque chose? Vraiment. Rapproche-toi peut-être du feu. Rapproche-toi, rapproche-toi, tu verras, c'est sympa, c'est chaud, c'est réconfortant. Oui. Le feu, le feu, le feu. En plus, il a les cheveux en forme de feu, donc en flamme, donc c'est parfait. Il regarde ça, il fait. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Il y a un truc qui tombe pas rond ici. Ce petit feu là, il est quand même incroyable. On sait qu'il va toujours prendre, qu'il va foutre des incendies et tout, mais. Au moins, on peut compter sur lui quand on veut tuer quelqu'un. Oui! Le tapis sur lequel il est va commencer à prendre feu. Oui. Continue. Allez, le feu mange le petit... L'homme... Ah non, mince, il est déjà cramé le tapis. Ouais, mais j'ai confiance. Parce que là, le feu, il est que en dehors, hein. C'est un petit peu dommage. Ça fait des jolies flammes, tout ça, hein. C'est juste pas du bon côté de la barrière, hein. Alors... Pour l'instant, le feu se répand, mais pas encore à l'intérieur. Ça me frustre un tout petit peu, cette histoire. Venir jusque-là? Bah, le truc, c'est que ça va atteindre, genre, la piste de bowling et tout, quoi. C'est pas ça qu'on demande, en fait. À moins que... Marche dans les flammes, mon petit. Marche dans les flammes. Tu marches dans les flammes? Viens ici. Voilà. Là, je pense que tu peux pas être plus au milieu des flammes. Allez, meurs maintenant, Hadès. Il est temps. Tu m'as trop fait attendre. Ça y est! Ah!
ça y est. Enfin. Il a fallu quand même que je le mette dedans, quoi. Pourquoi j'ai ce sourire horrible sur les visages quand je brûle un Sims? Oh là 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 là. Ah ça, c'est des belles flammes quand même. Hein. C'est magnifique à voir. Non, je suis pas du tout pyromane. Mais regardez, c'est beau. Ah ça y est, la viande est cuite. Le repas va être servi. Préparez-vous. Sortez vos couteaux, vos fourchettes. Ah, c'est un immense feu de joie là, clairement. Je suis horrible. J'ai le sourire comme as alors qu'il y a un Sims qui est en train de mourir. Je suis un monstre. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. La viande est grillée à point. Et la faucheuse est là. Est-ce qu'elle va pouvoir emmener son âme quelque part? Parce que avec toutes les flammes, faudrait pas que la faucheuse prenne feu non plus, hein. Ouais, non, mais ça y est, elle a peur, la faucheuse. La viande est cuite, faucheuse. Tu peux l'emmener, c'est ok. Ça m'a bel et bien grillé la piste de bowling. C'est pas cool. Bon, on va quand même faire appeler les pompiers, parce que je crois que la faucheuse peut pas récupérer son âme. Parce que là, on est sur un méga incendie quand même. Le incendie qui a commencé là et qui commence à tout manger. Voilà. Voilà, la faucheuse revient et emmène son âme de vilain, pas si vilain. Adieu Hadès, tu n'étais pas le plus méchant des vilains Disney. À la prochaine. Bon, on a quand même appelé les pompiers pour nous aider à éteindre l'incendie. Voilà. Ah non, l'incendie n'est pas encore terminé, il y a encore une petite flamèche. Ça y est, c'est fini pour cet incendie. Merci les pompiers, merci Hadès. Ah, tu vas rejoindre ton ami ou ennemi, on sait pas trop. Ici, ah bah il y avait juste après la pluie pour nettoyer. C'est pas grave. Écoutez, c'est bon pour nous aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine fois pour une autre élimination des vilains Disney pour le Hunger Games aux Sims. N'oubliez pas le like, le commentaire, à vous abonner, à partager aussi la vidéo et la chaîne sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.